Bonsoir les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Donc, on va faire une sorte... Non, alors j'espère que vous allez... Oh my god. Stéphanie. Enchantée. Bon, alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Donc vous avez vu Stéphanie dans la vidéo Saint-Valentin, etc. Et même avec Hunt aussi. Avec Hunt Bay. Parce que Stéphanie a une grosse bouche, c'est pour ça que je l'ai choisie. On va faire une sorte de vidéo qui... Enfin, c'est passé, le tag est passé, genre il y a très très longtemps. Mais on voulait quand même le faire juste pour le fun, tout simplement. Alors moi, mon premier truc, je sais qu'on va me détester. Allez jusqu'au bout, ok? Les perruques colorées. The tea is exceptionally good today. Mm. Mm. Orange. Ah, toi aussi! Le truc, c'est que moi, je porterais bien ça pour une photo. Ouais, grave. Ou pour quelque chose d'artistique. Les couleurs que je ferais bien, c'est des couleurs vraiment pas trop choquantes, genre le blond, tu vois. Ouais. Blond platine, je veux bien, mais ça doit avoir les bons tons. Couleur un peu pastel, tu vois, c'est un peu discret. Ouais. Et ça, tu vois. Le mauve, la façon qui est un peu foncée, ça voilà, encore, ouais, tu vois. Le bordeaux, tu vois. Mais sinon, tout ce qui est rose fluo, orange fluo, c'est devenu tellement commun, en fait, que quand t'es youtubeuse, t'es blogueuse et que tu portes pas ça, c'est pas normal. Il y a un problème avec toi, tu vois. En tant que blogueuse, t'es obligée. De... Tu vois, alors que non, moi, j'aime bien le classique, les gars. Après, je me demande si les filles porteraient vraiment ça, si c'était pas trendy. C'est ça. Si c'était pas tendance, est-ce que vous aurez vraiment mis des perruques vert fluo, quoi? Je te jure, hein, j'ai vu une personne, Stéphanie. Non, en vrai. Attends, j'ai vu la personne en fait sur Instagram et sa coiffure, franchement, ça donnait trop bien. Je porterais pas ça dans la vraie vie, mais c'est très joli. Tu vois, je l'ai vu en vrai, je me suis dit oui, yes. Instagram vs vraiment reality. Tu buzzes de ouf. L'eyeliner, le gloss, les cheveux de couleur, t'as percé. C'est fini. Au moins minimum. Moi je dis à partir d'un certain âge, t'as 18 ans, ok, je comprends, mais quand t'as 25 ans, je te vois avec ça, moi je te vois, je trouve ça limite gamin en fait, c'est super enfantin. On va nous gifler. On va nous gifler. Elle qui a... Ça aussi c'est très Instagram, c'est les longs ongles, mais genre vraiment longs comme ça. Mais je peux pas. Tu vas faire la cuisine avec ça. Tu vas cuisiner avec ça, tu vas te laver avec ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, chaque fois, je me dis, mais comment ça doit laver les partout. Après, moi, j'ai de longs ongles comme ça. Non, pas comme ça. Moi, je te parle des trucs comme ça, Tantine. Vraiment qui courbe un peu comme ça, limite quasi. Et c'est bizarre parce que du coup, c'est genre ton doigt s'arrête ici. Oui, et tu vois grave la différence. Mais vous allez où avec ça? Surtout en mode, oui, mais les gars, ils aiment bien les manicules. Mais quand les gars disent qu'ils aiment bien les manicules, c'est pas les manicules comme ça. C'est juste avoir les doigts propres. S'en fout des gars, mais comment est-ce que tu fais, quoi, tu vois? Les faux ongles, je suis pas très bonne. Moi non plus. Mais après, les faux ongles, il y en a de très jolis, les pures propres. Je trouve ça sale, je trouve ça vulgaire. Arrête de dire sale, on va te gifler mal. Par sale, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Je trouve que ça fait trop lazy. Je vais avoir ta belle-mère avec ça, elle va dire. Eh ouais! Non, c'est ça que tu as ramené? Cette femme, elle va rien préparer à la maison. Ouais. Highlights Fenty Beauty comme ça jaune. Oh, ça j'aime pas. Mais ça c'est passé je pense. Ça je pense pas que quelqu'un mette. Si. À choix il y a des filles qui continuent à faire ça sur Instagram. À mettre le jaune là, le Fenty Beauty. Non, tu mens. Meuf, je te trouve ça maintenant. Les highlights jaunes comme ça là. En fait, ça peut être joli. Ça tu le mets un peu, puis t'es tombé. Je pense que les highlights doivent vraiment être subtils. Moi, c'est trop. Et là, ça va. En plus, quand t'en mets trop, en fait, ça bouche l'effet du highlight. En fait, c'est comme si t'avais une couleur, tu vois. C'est pas highlighté quoi. Les Bella Naija. Oh, hell no. Les Naija là, donc les Nigérianes, pour leur mariage, des fois elles exagèrent. Ça fait vraiment peau de peinture, ça fait pas genre, on dirait pas un visage, on dirait un émoticône genre. Vous pouvez mettre beaucoup de make-up, c'est le jour de votre mariage et tout ça, pourquoi pas, mais il y a une manière de le faire. Il y en a qui bouchent leurs traits, je sais pas comment expliquer ça. Des techniques genre tu vas mettre un petit peu, on aura l'impression d'aller too much. Et il y a aussi des techniques tu vas mettre vraiment too much, mais ça va bien faire naturel. Une fois de plus c'est du maquillage Instagram quoi. Tu vas me détester, je sais que tu vas me détester parce que on en a déjà parlé, la manière dont elle s'habille, Rihanna. Pour moi, c'est surcoté. Pour moi, je peux pas. Moi, je la trouve super fashion. Je comprends pas, en fait. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Elle est tellement belle. Elle a de la prestance. Elle a vraiment tout. Mais son style, je comprends pas. Elle a un très beau style. En plus, Rihanna, ce que j'aime avec elle, c'est vraiment Rihanna. Elle peut te mettre n'importe quoi. C'est vrai. Ça passe crème. C'est ça que, en fait, c'est ce que je te dis, en fait. Beau. En fait, ce que j'essaye de te dire, c'est que Rihanna elle-même, genre la personne, si elle te tape un truc, tu dis ok. Par contre, sa tenue, genre quand on avait vu Emmanuel Macron, un super gros blazer comme ça, ouais. Moi je trouve ça super beau. Et tout le monde sur Twitter est en mode ouais, mais attends, Rihanna, t'as mis ton pyjama et tout. Moi je trouvais, mais c'est super beau quoi, tu vois. Ça. C'est où? Ça là. Ça là. Ça, non, ça, ça va encore, mais ça, tu vois. Oh, c'est grave beau, wesh. J'aime beaucoup les pièces qu'elle met, mais je n'aime pas comment elle les assemble, ouais. Voilà. Il faut que je lui donne ça, elle a vraiment de très belles pièces. Et je dis pas toutes ces tenues, hein. Mais après, franchement, à chacun son style et tout ça, je ne critique absolument pas. Et je dis pas genre c'est moche, c'est... Je dis juste... Alors, je dis juste... Non, 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 il y a quoi maintenant, casse ta mâchoire. Il y a quoi maintenant, c'est vraiment l'audace et c'est ça qui dit, wesh. Ok. Il y en a une fois de plus, t'as osé, tu nous as montré que c'est toi, maman. Si c'est pas toi, c'est qui? Bah, une que je trouve vraiment surcotée, c'est Beyoncé. On va me taper, on va m'arrêter dans la rue, on va chercher mon adresse. Même ses musiques, il y a des gens, moi je trouve qui sont beaucoup plus talentueux que en fait, que voilà, Beyoncé. Non, non, tu peux pas, à chacun son talent. Ses performances artistiques, oui, tu vois, quand elle danse et tout, Nina, les Grammy Awards, tout ça, j'ai rien à dire. Ouais. Mais les musiques en elles-mêmes, faut arrêter les gars. C'est rare, mais elle a des paroles, non, tu vas pas te faire taper. Tu vas me protéger. Oui, avec mon petit corps là, ça va aller. Mais la Beyoncé de maintenant, non, c'est pas la même Beyoncé qu'avant, tu vois. Ils la mettent genre l'icône quoi, c'est vrai. Et Rihanna aussi, hein, ils la mettent en mode l'icône. Hein, moi en fait je mets personne là. Voilà, on est tous humains, on est tous là. Elle a choisi de faire ça comme carrière, elle est talentueuse, elle a beaucoup de talent, elle est jolie et tout ça, tranquille. Quand je vais au concert, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup la musique. Ouais. Voilà. Si je vois une star dans la rue, je vais pas commencer à... Ah c'est cool, tu vois, elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là, tu vois. Mais j'aimais bien sa musique, mais autant la personne, je l'aimais pas. Hein. Son caractère et tout, je la trouvais super impolie. Elle tape des gens dans les concerts, hein. Non mais... Elle tape. Elle a pris le micro comme ça, elle a tapé la personne, genre... Elle est folle, hein. Cardi B, ouais. Je peux pas. En fait, ce qui m'énerve avec la vibe Cardi B, ce sont les personnes qui la louent déjà de 1. Et pourquoi ils la louent? Juste parce qu'elle est vraie. Elle est vulgaire, elle n'est pas vraie. Elle dit tout haut des choses que les gens n'osent pas dire. Les gens ne disent pas ça tout haut. Pourquoi? Parce que juste par tenue, ils ont un peu de tenue, quoi. C'est juste ça. Ouais. Les trucs dont elle parle et tout. Je trouve ça super vulgaire, je trouve ça super sale. Mais on la met là. Ouais. Beaucoup de gens qui aiment bien le fait de, tu vois, casser les normes et tout. Quand tu vas à l'encontre des normes, les gens aiment bien. Le truc avec moi, c'est que si je t'aime vraiment bien, c'est que ta personnalité, elle est vraiment top. Que tu sois artiste ou je ne sais quoi, que tu sois blogueuse même, youtubeuse ou quoi, je t'aime bien si je kiffe ta personnalité. Par exemple, il y a une personne que j'aime beaucoup dans les blogueuses, c'est Ashley. Ah, Ashley. Ouais. Mais il y a des youtubeuses, tu te dis putain, surcotée de ouf. Je ne cite pas de nom ici, tu vois. Tu les regardes, tu dis ah ouais, elle est jolie, maquillage, elle s'habille, mais quoi, c'est ta personnalité, vraiment c'est du caca, moi je... Alors fuck you. C'est ça le truc que j'ai du mal à faire, tu vois. Toi vraiment si t'aimes pas la personnalité, c'est mort. Ça peut pas. Tu veux même plus follow. Ah je peux pas. Ça c'est moi. Kylie Jenner ou quoi, des fois elle a de jolies tenues, etc. Mais juste ce qu'elle véhicule, ce qu'elle dégage et tout ça, tu vois, je vais pas liker. Pourquoi? Parce que je ne cautionne pas ça, quoi, tu vois. Je donne pas de force à ça. La vulgarité, moi je remarque que les gens ils aiment bien ça en fait. C'est ça. Ils aiment bien la vulgarité. Je te jure, aujourd'hui en fait cette culture d'hypersexualisation, je ne sais quoi là, moi c'est un truc que je peux pas. Moi j'ai une question à te poser parce que tout le monde, voilà, dans chaque vidéo c'est pareil. Aya Nakamura, t'en penses quoi? Surcoté? Surcoté, comme Vegedream. Vegedream, il est surcoté les gars. Toutes ces chansons se ressemblent, c'est pareil, je trouve qu'Aya Nakamura, toutes ces chansons se ressemblent, elle est surcotée. Même manière de chanter. Ouais. À chaque fois, ce sont des chansons sur lesquelles tu peux danser, tout ça, machin, mais il n'y a pas de profondeur. Même Jaja, ça veut rien dire, Jaja, ouais. C'est quoi l'histoire en fait? Je sais pas. Le gars il a mal parlé d'elle, il a dit oui, j'ai eu des bails avec elle et c'est pas vrai. Ils savent très bien comment, tu vois, attraper les gens aussi, tu vois. Et c'est des trucs qui te chantent facilement et tout ça. Donc ça reste dans ta tête et tout ça. Donc c'est vraiment cool, mais quand, avec le petit scandale là qui s'est passé là, franchement, il faut même pas me parler d'Aya. En gros, hey, on n'est pas venu ici pour les commérages. Mais moi c'était sur Twitter. Ouais, je sais, je viens de débarquer sur Twitter, rajoutez-moi du. En gros, elle a volé les trucs d'un designer styliste ou je ne sais quoi là, ouais, elle a porté ça dans son clip et tout, machin, zéro crédit, hein. Au lieu de, limite, ne rien dire ou en mode, tu t'excuses, tu vois, soit l'un, soit l'autre, moi, voilà, au pire, tu veux pas t'excuser, tu dis rien. La go, elle a écrit un... Oh my god, j'étais choquée. Les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. c'est pas dégueulasse, quoi. Moi je respecte pas ce genre de personne, tu vois, c'est ça mon problème en fait. J'arrive pas à voir la personne en tant que, enfin l'artiste en tant qu'artiste, point. Non, je peux pas liker quelque chose que je ne soutiens pas ou que je ne cautionne pas, je peux pas. Whiskey je préfère, mais Davido il est surcoté aussi. Maintenant ils sont rentrés dans un truc un peu électro, si c'est quoi. Tu te rappelles avant c'était bien haillé tout ça et mais c'est ça que je dis, quand il y a ce côté bien afro, bien authentique, ouais, là j'aime bien. Mais quand il y a un peu villageois là, ouais voilà, c'est ça que j'aime bien. Plus c'est villageois, plus c'est doux, tu vois. Mais quand il y a ce côté un peu électronique, électrique, si c'est quoi, je sais pas comment on appelle ça, électro là, ça j'aime pas, tu vois. Mais ça qu'ils font tous maintenant. Ou alors t'essayes de copier un peu les Américains ou je ne sais. I don't like it, I don't like it. Il y en a qui font plein de featuring avec les Américains, du coup ils sont obligés de se mettre un petit peu. Ouais, mais c'est bien de se mélanger, mais des fois gardez votre truc, quoi, tu vois. Il y a une artiste qui est super, mais super. Jhené Aiko. Ouais, Jhené Aiko elle est sous-cotée, c'est vrai. Elle chante de vrais bails avec de vraies paroles. Vision ils sont sous-cotés aussi. Qui ça? Teniola. I don't know her. Oh my god. Tu connais pas Tenny? Non, elle chante. Tu connais pas Tenny? Non, je la connais pas, qui elle me connaît. Shineki. Elle chante. Elle me connaît. Bah, vu comment tu chantes, je vais pas savoir. C'est une artiste, mais elle c'est une vraie de chez vraie. Genre une vraie de chez vraie. Genre elle te sort des paroles comme ça, elle te fait des impros, mais tu te dis waouh. Franchement, allez voir Teniola. Elle fait de très belles. Ouais, c'est une Naija. Allez voir sa page Instagram surtout, vous allez la kiffer. Elle a une personnalité mais adorable. Oh my god, oh my god, oh my god. Je veux pas dire ça. Et on va me gifler, on va me taper, on va me scinder le front ici. Off-White. Mais Off-White c'est pas surcoté hein. Allez bye, go bye. Je peux pas, le gars il prend son feutre et il écrit des... Quand l'artiste fait quelque chose et tout ça, je me dis waouh, ok, il sait pourquoi il l'a fait. Là je me dis ah ok, ça c'est cool, tu vois. Mais si t'es une personne X ou YZ, tu connais pas l'histoire derrière la marque. Pourquoi est-ce qu'il fait ci, ça, pourquoi est-ce qu'il écrit au feutre ou je ne sais quoi, pourquoi est-ce que tu vas suivre? T'es juste, non, c'est juste que tout le monde achète ça, alors toi aussi tu vas acheter ça. Mais les gens ils peuvent aimer forcément sans vraiment connaître l'histoire. Moi j'aime bien. Tu vois, c'est ça le problème. Pourquoi est-ce que t'aimes bien? Parce que les gens portent. Non, rien à voir. Rien à voir. Tout ça beau, tout ça minimaliste, c'est artistique, c'est vraiment. Je sais pas, j'aime bien quoi. Donc il reprend des trucs et il écrit dessus. Ouais, mais et tu te demandes pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens, et il y a des gens, même nous, même par exemple quand on était jeunes, j'en suis sûre et certaine, t'as déjà écrit sur des chaussures, non? Ouais, j'ai déjà fait voilà, ça, mais... voilà. Moi ce que j'aime bien chez lui, par contre chez Virgil Abloh, c'est la valeur qu'il donne à ça. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire qu'il donne à ça, tu vois. Là, je vois le truc d'une autre manière. Pourquoi les gens aiment bien Off-White? Pourquoi est-ce que les gens aiment bien Virgil Abloh, etc. Je sais Kanye West, Kanye West et tout ça. Voilà, tu vois. Et les gens comme les gens qui fait Kanye West, ben voilà, Off-White, ah ok, les stars ont commencé à porter, ok, ah ouais c'est bon en fait, ouais, Off-White, ouais, Virgil Abloh, tu vois ce que je veux dire? Gucci sont beaux, mais les vêtements et tout ça. Ça, les sacoches et tout ça, Nina, les bananes, je suis pas très fan, je trouve ça surcoté vraiment. Moi j'achète quelque chose vraiment quand c'est joli, je m'en fous de la marque quoi, ouais, littéralement. Quand c'est joli. Ouais. Que tu n'aimes pas les fruits de mer? Non, moi je peux pas les fruits de mer, je suis désolée. Moi ça me donne envie de vomir, juste quand je passe devant, je sais pas, le coin poisson, la poissonnerie là, ah je peux pas, non je peux pas. T'aimes bien le saumon moi? Là, je vais dire un truc, tu seras choquée, mais je pense que voilà, à chaque fois que je le sors, il y a tout le monde qui est choqué. Je n'ai jamais de ma vie goûté au saumon ou goûté aux crevettes. Jamais de ma vie. Ça m'a traversé mon palais. Je les appelle les insectes de mer. Tu tournes la gueule ou quoi? Moi, je peux pas. Même les gambas, c'est toi jamais. Jamais de toute ma vie. Tu peux demander à ma mère, jamais. Et tu vis comment? Je sais pas, essaye au moins de manger, c'est trop bon. Non, je peux pas. C'est vraiment un truc que si tu me mets ça genre dans mon assiette et que tu caches ça et que je découvre que t'as mis ça dans mon assiette, plus jamais je te parlerai. Mais genre à ce point là quoi. Tu vois, visuellement c'est super beau à voir, ça donne trop envie. Moi je pense à ça, j'en ai mangé. Je vois leurs yeux gonflés là, leurs yeux noirs et leurs antennes là, tu veux que je mette ça dans ma bouche? Pardon. T'aimes bien les crabes au moins? Ah non, moi je t'ai dit c'est toute la famille, le seul truc que je mange c'est du poisson. Pas de calamar. Non mais le saumon au moins tu dois essayer. Non moi je peux pas. Mais ça non, me donne envie de saumon fumé. Mec c'est super bon. Mon poisson préféré c'est le saumon quoi, c'est genre en plus c'est du poisson de noble comme ça, c'est cher. Du poisson de noble. La vérité c'est je suis chaude avec ta noblesse là. Chez vous vous mettez les crabes dans la sauce gambo, au crosso. Non, jamais. Ici, on n'utilise pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je sais que le truc que ma mère cuisine, genre de temps en temps, c'est le saumon. Enfin, elle met tout le temps une partie pour moi et ensuite elle cuisine pour toute la famille, quoi. Ça a toujours été comme ça, ça va pas changer. Quand il y a du riz ou quoi et qu'ils mettent des crevettes dedans, ma mère, elle fait à part, tu vois, quand elle doit rajouter les crevettes. C'est l'apparence. Pour moi, ça ressemble à des insectes, quoi. C'est un insecte. Arrêtez. Ça a des yeux et des antennes. Moi, ce que j'aime vraiment pas, mais genre à la mort, genre pareil comme t'as dit, tu mets ça, je vomis, je te déteste. Une fois, genre j'avais fait un pari avec quelqu'un et je devais boire, genre tu vois l'eau qui est partout dans les olives là comme ça. Ah ouais ouais. Juste une cuillère, j'ai vomi ma vie. Pour ça, je meurs après. C'est genre je vomis, genre pour moi c'est du poison. Je vais jamais en réclamer, tu vois, mais tu vois si j'en mange une ou quoi, ça, non, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que je vais pas les manger genre comme ça comme ça. Le fromage aussi, je trouve ça surcoté. Le fromage, mais genre toute espèce, toutes sortes. Moi je trouve ça si amer déjà. Non, moi j'aime trop le fromage. Moi j'aime trop, genre je peux avoir des pâtes, je peux avoir ça comme pâte et du fromage comme ça. Non, le fromage, les pâtes, il y a que ça que je supporte. Mais le reste, non. Même genre Babybel, j'aime pas. Pashkiri, j'aime pas. Il n'y a que le fromage, genre la cuillère sur les pâtes que je mange. Non, moi j'aime tout. Sandwich au fromage, là des fromages gros blancs comme ça, brie ou je sais pas quoi là. Ah ouais, non, ça je mange pas par contre. Oh. Et le camembert, fromage bleu, non, ça je mange pas. J'ai l'impression qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de noirs qui aiment bien le fromage. C'est ça, j'allais dire ça, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas un truc de. C'est vrai ça. 13 Reasons Why, Game of Thrones, je vais me faire tuer, mais Game of Thrones. 13 Reasons Why, je suis pas d'accord avec toi. Ça, j'ai trop kiffé. Moi, je suis restée jusqu'à la fin. Je me suis dit, ok, non, mais là, ça va peut-être changer, tu vois. Game of Thrones, là, pour moi, c'est non. Non, ouais. C'est pas comme si j'avais pas essayé. J'ai essayé, je pense, 2 saisons même. C'est pas passé, j'ai dit bye. Bye. Comment j'ai forcé, la manière dont je fais ça. Tu dis non, j'ai aimé tout. Il y a forcément une raison pour laquelle les gens aiment ça comme ça, mais non. J'ai forcé, c'est pas venu. C'est pas venu, j'ai laissé. Riverdale, moi j'ai bien aimé la première saison, mais après la fin, j'ai saoulé. C'est genre je me suis lassée, mais je me suis dit un truc de foot, c'est lassant. Ouais, Riverdale, j'ai commencé aussi, je vais pas mentir, j'ai commencé, ensuite j'ai baillé. Dynasty, j'ai fait 2 épisodes, je pense, et après j'ai. Ouais, Dynasty, j'ai regardé 5 et puis je me suis dit non, ça va aller, mais non. Moi je suis une vraie fuck girls, hein. Genre j'essaye un peu, puis j'ai pas. On ghost, non. Fuck girls. On est des fantômes, on ghost. On ghost. Ah là là. Même Netflix en général, je trouve que Netflix c'est surcoté. Non, tu veux pas dire ça de Netflix, non. Les films qui datent de 2005, les séries, je sais pas, il y a plein de séries que tu peux trouver en streaming qui a même pas sur truc, tu l'as des saisons parfois. Tu parles de ce qu'il y a à l'intérieur, moi je parle du concept de Netflix. Non, le concept ça va. Payer en fait le... Ouais, j'ai un écran, pas de ce genre. Moi j'ai un écran, même j'ai payé 5 écrans frère. Y'a pas 5 écrans, ouais. C'est pas 5 écrans, c'est déjà... Ah, quand tu réponds c'est ça, j'ai payé mon égo. Non, y'a rien. Tu regardes quoi sur Netflix? J'ai regardé tellement de trucs, Black Orphan. Ah, je connais pas. Oh, franchement c'est bien, mais non franchement c'est vraiment bien. Après j'ai décroché, mais après beaucoup de saisons quoi, parce que ça commence à devenir saoulant. Black Mirror. Black Mirror c'est la meilleure série. C'est sous-côté la vie. Ça par contre c'est sous-côté de fou. Non, Green Leaf c'est surcoté. C'est la dernière saison qui est bien, mais les premières saisons. Non, moi les premières saisons j'ai kiffé, après j'ai décroché. Ça Black Lightning. Allez bye surcoté. Tu vois le truc avec les enfants là qui sont dans une autre dimension, je sais pas quoi là, Stranger Things. Ah ouais. Ça j'ai l'habitude de regarder aussi, j'ai pas trop aimé. Ça j'ai regardé, j'ai bien aimé. C'est bien. J'aime pas faire les magasins. J'aime bien faire les magasins genre à mon aise et en ligne. Et genre, en fait ce qui m'énerve moi, c'est quand le caddie il part. Oh, je peux pleurer. Meuf, comment ça fait mal. Surtout dans les magasins genre Pretty Little, genre tu dois chercher pendant longtemps pour retrouver comme ça. Ça fait trop mal. Donc c'est quand en fait un caddie acheté seulement, mais il y a des sites où ils laissent vraiment même 2 semaines. Ils t'envoient des mails. Ton caddie ici, pourquoi de ça? Non. Petit, j'aimais le cornichon dans les Happy Meal. Mais c'est bon les cornichons. Ouais, c'est bon les cornichons. À un certain moment, j'aimais vraiment pas. Petite, je détestais ça. J'enlevais chaque fois, mais là maintenant je sens le vrai goût. Pour moi, il y avait un goût caché que je ne voyais pas. Les artistes n'articulent plus, on comprend rien. Oui. Genre, il n'y a rien, les paroles, ça veut rien dire. Tu vois, il y a des gens qu'on ne doit pas rendre célèbres, on les rend quand même célèbres. Ces gens-là, je ne comprends pas. Ça, c'est pas à moi de commencer à dire, oui, toi, tu dois être célèbre, toi, pas toi. Bon, après, c'est. Des fois, c'est trop. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, mais comment tu les rends célèbres? En donnant un peu de force avec un bête like, tu vois. C'est pour ça que je suis si radine en fait avec mes likes, c'est que je fais attention, je fais partie de la masse quoi, tu vois. Même si tu penses que c'est rien et c'est bon, elle a 1 million de likes, mon like va rien changer, bah si ça change quelque chose. McDo et Quick, j'ai laissé ça pour un autre, mais j'ai pas envie de sortir le nom. Hé, hey, la manière dont c'est doux, non, la manière dont c'est doux, en plus c'est dans la même tranche de prix. Qu'est-ce que tu me parles des extra extra, c'est des petits. Je vous dis, il y a un vrai bail, c'est pas Burger King. Je vais pas vous sortir ça, je peux pas faire la file. Tu comprends ou pas? Dis-moi l'oreille. Et ça l'a dit. On s'est même pas osé. Pourquoi tu rigoles? C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Pourquoi tu rigoles? Tu vois la rue là. C'est bon. La manière dont c'est bon. La manière dont c'est bon. Bon. Parce que toi t'aimes trop surcouter les secondes la nourriture aussi. Tu vois mon palais là? Je t'ai dit, il n'a pas été créé comme le vôtre. J'aime ça. Mais nous on aime vraiment beaucoup les McFlurry aussi. Ouais, on adore. On adore les McFlurry, c'est la vie. C'est trop la vie. Oreo, chocolat, M&M's. Mais non, c'est ton goût, c'est Oreo chocolat aussi. Jamais toute personne qui me connaît, mais vraiment toute personne qui me respecte, c'est que c'est M&M's. Mais toute ma vie, vous avez des vieux goûts. Sans chocolat au-dessus, la Oreo plus chocolat. Regardez à quel point c'est écœurant. Alors que M&M's, simplicité, juste le chocolat qu'il faut. J'aime pas le Nutella. Ah non, là ça m'a piqué droit au cœur. C'est surcoté le Nutella. Il y en a un au Lidl, en plus c'est vraiment pas cher. Le Nutella, c'était trop prononcé, c'est dégueulasse. C'est trop mignon les araignées, pardon. Délivrance ultime et directe et instantanée. Ah, je pensais que toi qui elle a dit non, 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 elle a dit que c'est trop mignon les araignées. Ah, je peux pas. Ah, ça me dégoûte. Black people supporting each other. Ok, mais quand c'est nul, non. Ah, je suis trop d'accord. Ah, ouais, je suis trop d'accord. Ouais, on se soutient jamais entre noirs, machin, machin. Mais si tu fais pas les choses de manière correcte, je suis désolée. Ça. Quand c'est bien, il faut soutenir. Ouais. Quand c'est pas bien. Il faut dire, il faut ramener le feedback, voilà c'est ça. En fait, ça va nous faire avancer. Chaque fois que les gens demandent le savon noir, je dis toujours Gloria. Ouais, je sais, il y a beaucoup de personnes qui soutiennent. Hein. Ouais. Quand c'est pas bien, faut ramener le feedback et pourquoi c'est pas bien, pas commencer à parler, oh non, faut pas aller là-bas, faut pas aller là-bas. Non, ramène le feedback à la personne, tu vois. En parlant de ça, il y a une marque Capella que je trouve surcotée comme tout. Comme tout, ouais, moi aussi je trouve ça surcoté. En plus, il y a plein de youtubeuses qui font ça hydrate même pas bien les cheveux. Et... je pensais que c'était moi qui faisais les choses mal, mais ces produits-là, c'était pas pour moi. Mais il y a plein de filles qui disent ça, hein, qui c'est super négative. Moi aussi, mais pour quand il s'agit de cheveux, etc., j'aime pas dire genre c'est pas bien. À chacun ses cheveux, tu vois, à chacun ses produits. D'ailleurs, il y a un truc que j'aime pas en parlant de ça, qui est genre surcoté. Bon, surcoté, voilà. Les teams naturels là. J'allais dire ça, mais et leur routine là. Non, il faut dire. On dirait qu'elles parlent de leurs cheveux, on dirait celle des enfants. S'il y a une personne qui essaye de te conseiller des trucs, etc., oui, mais moi je parle de l'oppression. Elles en font trop, mais ça je te dis, elles en font trop. Mais c'est vraiment une routine super simple et tout. La meuf elle a mis 5 d'huiles différentes qui viennent de la montagne en Chine. C'est bon, t'arrêtes ça maintenant. Tu vas te faire boxer. Tu vas me défendre. Chacun reprend sa responsabilité. Beyoncé n'a rien d'exceptionnel physiquement. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Ouais. Non, non, tu peux pas dire ça. À chacun sa beauté. C'est une très belle classe et tout. Elle a un charisme comme ça et tout ça. Trop. Mais ouais, mais je dis pas que c'est... Je déteste ce terme, genre la plus belle femme, genre la femme, tu vois. On a toute notre beauté, voilà. Désolée d'être un peu cucu, mais c'est vrai. J'aime l'odeur de l'essence. Oh, l'odeur de l'essence, j'aime trop ça. C'est un truc de parano. Ah non, j'aime trop ça. C'est vraiment les gens qui vont mettre du feu à la maison des gens après de leurs ex là. Arrêtez ça. La raclette, la fondue, bref, le fromage en général, c'est pas bon. Voilà, t'as quelqu'un qui te soutient, mais moi j'aime beaucoup le fromage, j'aime bien quand c'est bien découlant. Les perruques en synthétique, c'est beau aussi, arrêtez ça. Moi je trouve que les perruques synthétiques peuvent être belles. Ouais, il faut entretenir. Il faut entretenir et vous mettez un peu de talc, les filles. Hein? Un peu de talc pour enlever cet effet brillant. C'est ça qui trahit tout. Vous, depuis le temps qu'on vous dit ça, vous voulez pas écouter. Mais un peu de talc, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, le talc, j'ai l'impression que ça va encore plus assécher la mèche. Non, ça enlève. Non, oui, mais après, tu peux pas faire ça. Tu peux pas la garder genre 2-3 ans, tu vois. Bien sûr, il va falloir la jeter. Et mettez beaucoup d'eau aussi. Tu vois, tu fais des trucs d'eau là. Non, il faut pas mettre trop de produits. Ah oui, c'est vrai, il faut même pas mettre de l'eau. Il faut pas mettre de produits. Non, mets pas de l'eau, sinon ça va coller. Quand tu achètes des synthétiques, faut vraiment pas acheter des listes. Ouais. Parce que ça reste figé aussi, donc c'est chaud. Mais il y a toujours moyen de, tu vois, de finesse un peu le truc. Tu mets du talc, tu mets un peu de shampoing sec et c'est bon, ok. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens, c'est tout. Hein? Ça va pas assécher. C'est ça que je te dis, les synthétiques, tu peux pas garder longtemps non plus, tu vois. C'est pour ceux qui n'ont pas et qui veulent faire des trucs. Je me suis endormie devant le film Us. Ah non, hein. C'était surcoté, ouais. C'est surcoté. J'ai rien compris. T'as rien compris? Non. Regarde, mais je me suis même endormie parce que j'allais à la séance de... Sérieux? Bah je vais t'expliquer après parce que c'est vraiment profond. Moi j'ai vraiment bien aimé, mais c'est surcoté. Le réalisateur il a dit c'est un film pour les intelligents. C'est vrai? Quand j'ai pas compris, je me suis dit ok bah... Stop. Faut arrêter les durags, j'ai bien dit hein, arrêtez les durags. Les gars qui font ça comme ça sur Instagram. Il a écrit, il a écrit. Il a les lèvres. Il a écrit, il a écrit. il a écrit ça fait partie du charopac. Mais oui hein, le bag là. Avec la petite sacoche. Ah non. La petite banane Louis Vuitton. Flemme, avec la veste là et les petites fourrures ici là. Flemme, avec les jeans là de chez Zara troué 20 €. Flemme, avec les Balenciaga anciennes là. Hey, flemme. Il y a des gars, toute leur vie c'est ça, tous les jours ils sont comme ça sur Instagram. Arrête ça. Vraiment ça métier à plein temps. Ils font des tutos, ils enlèvent leurs trucs là, ils enlèvent doucement, non pas fort, t'enlèves doucement, sinon tu vas casser les roues. On va nous taper, si on nous tape, c'est pas grave, ok. Moi j'ai même envie de désactiver les commentaires ici. Hey. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Merci Stéphanie d'être venue et d'avoir ouvert ta grande bouche là. Comme ça si on doit nous taper, on nous tape à deux. Voilà, ciao ciao. Ciao.